la croissance spirituelle du chrétien. Jodia, nous allons parler des domaines de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle est entièrement en relation avec qualité moun nou ye a. Et qualité moun nou ye a est étroitement liée au plan de Dieu et à la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est comme ça, lit un ensemble de textes dans la Bible là, li aide nous comprendre que gagner plusieurs angles ou bien domaines croissance spirituelle là qu'apprend dans la vie nous. Et jodia, nous va citer 7 là-dedans. Nous va parler de la croissance dans la grâce, deuxièmement, la croissance dans la connaissance de Jésus, troisièmement, la croissance dans l'amour, quatrièmement, la croissance dans la compréhension des Saintes Écritures, cinquièmement, la croissance dans l'obéissance ou dans la sainteté, sixièmement, la croissance dans les qualités ou bien dans les vertus chrétiennes ou bien dans les fruits spirituels, et septièmement, la croissance dans la foi. La foi, c'est ça, c'est l'intimité avec Dieu. On commence rapidement. N'a parlé des domaines de la croissance. Dans quel domaine chrétien doit grandir et développer? La première chose, les croyants sont appelés à grandir dans la grâce. Quel que soit chrétien, bon Dieu relève-li, li passe par la nouvelle naissance, ça relève la conversion à Dieu, et bon Dieu insiste pour qu'il soit capable de grandir dans la grâce. Et ici, on a parlé de grandir dans la grâce, non pas ouais seulement la conversion par la grâce là, non? Parce que c'est vrai, tout ça chrétien fait, il fait dans la grâce de Dieu et par la grâce de Dieu. Vous capable de lire Romains chapitre 5, le verset 2. Nous sommes dans la grâce de Dieu et grâce à pas oublier, il signifie faveur. Oui, c'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8 et verset 9. Mais grâce n'a pas arrêté là, grâce n'a pas campé là. Ou pas fini sauvé par la grâce, c'est fini, ou dit bon, grâce n'a fini, pas besoin. Non, c'est ça que fait l'apôtre Pierre. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, il dit « croissez dans la grâce ». C'est vrai, ou fini sauvé par grâce. Mais grâce à vous, pas qu'il y a d'autres bagailles pour le faire avec vous-même et non vous-même. Vous avez besoin de grandir dans la grâce. Croître dans la grâce. Croître dans la grâce nous dit plus que salut que vous gagnez. Son exhortation qui visait, ça nous relève les traits de caractère du chrétien. Croître dans la grâce, il signifie faut développer dans les traits de caractère que bon Dieu la permet que vous entrez là-dedans. Et dans ce sens, en tant que chrétiens, nous avons besoin très vigilants pour ne pas finir croire que nous sommes sauvés par grâce. Les finis, nous camper là, nous pas grand route n'a fait encore. Les traits de caractère du chrétien, eh bien, c'est au même Pierre a essayé de citer dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 5, arrivé au verset 7 que m'a lu pour même. Il dit comme ça, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Tout ça, ce sont des traits de caractère que les chrétiens ont besoin de développer là-dedans. Et c'est justement ça, Pierre, il est grandir dans la grâce. Est-ce capable de citer une quantité d'autres traits de caractère qui correspondent avec grandir dans la grâce? Dans Galates chapitre 5 verset 22, certainement la parler des fruits de l'esprit, mais ces fruits là, ils font partie de la faveur que bon Dieu accorde nous et nous-mêmes nous les cultiver dans la vie non. Et bagay ça utile en pile. Ou connaît des chrétiens qui sont convertis, mais malheureusement, ils pas grandir dans la grâce. La grâce de Dieu son faveur pour Dieu fait nous pour nous capable développer et fortifier nous en tant que chrétiens. Parce que l'homme grandit dans la grâce, lui permet de supporter un ensemble de souffrances que n'importe quel monde sans maturité pas capable de supporter. La grâce de Dieu permet que ou aider un autre monde, même les moments difficiles pour vous-même.
li permet ou chanter même dans moment de tristesse, de solitude yo. Donc là ça recevoir une grâce spéciale parce qu'au bon niveau de compréhension et de maturité qui plus que ça l'autre monde qui simplement rester dans la grâce de la conversion qui pas développer et grandir dans la grâce. Donc en réalité, toute qualité bénédiction bon Dieu réservé pour nous-mêmes, li réservé li dans sa grâce. Et pour capable jouir de toute bénédiction ça yo, Pierre il a appelé chrétien pour grandir dans la grâce, pour le développer dans la grâce. Et c'est là ça oui, pour pral mener une vie chrétienne victorieuse. La grâce de Dieu, li nécessaire pour faire face à toute qualité situation, obstacle et problème qu'a présenté dans la vie. Parce que la Bible dit nous, Dieu, il est le Dieu de toute grâce, selon 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Et heureusement, la source de la grâce de Dieu l'est manifestée envers nous-mêmes. Et c'est sous la grâce ça qui fait nous connaître que tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu, selon Jacques, chapitre 1er, verset 17. D'où, mes bien-aimés, nous besoin grandir et développer dans la grâce. En résumé, grandir et développer dans la grâce veut dire, dans un premier temps, m'accepter la grâce. Moi, chercher comprendre la révélation que la grâce portait pour moi-même. Moi, recevoir ces messages et les exigences ou bien l'enseignement de la grâce de Dieu. Ma vie et ma grandir dans la grâce de Dieu. Premier domaine, c'est grandir dans la grâce. Toujours dans le même texte là, 2 Pierre 3, verset 18. Deuxième domaine, le chrétien doit grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est un autre domaine que les chrétiens besoin de développer, grandir là-dedans jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maturité spirituelle. Le chrétien doit grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pas oublier, Pierre dit nous, croissez non seulement dans la grâce, mais dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Mais, faut une petite précision. Ici, texte là pas dit croissez en connaissance, non. Non. Texte là dit croissez dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Texte là pas dit croissez dans la connaissance de la Bible. Parce que ça fait ça. Il y a un pile monde qui bien connaît la Bible là, qui bien connaît et parole, qui a pile connaissance, mais il n'a pas grandi sur le plan spirituel et il n'a pas grandi en la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, Pierre, il compte ça la parler là. Pierre l'a parlé de l'intimité de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ pour éviter que ou qu'on a pile verset dans la Bible là, ou grandit dans la connaissance de la Bible, mais malheureusement, ou pas grandit dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, précision ça, c'est très important. Donc, ou capable de gagner une bonne connaissance de la Bible, mais malheureusement, ou pas gagner une vraie et bonne connaissance qui conduit à Jésus-Christ, ou bien une bonne connaissance de Jésus-Christ. Si malheureusement, on a pile connaissance de la Bible, mais connaissance ça n'a pas aidé à connaître Jésus-Christ, qui est le personnage central des Saintes Écritures, mais connaissance ça, c'est nul. Connaître Jésus-Christ, ça signifie que, certainement, c'est pas le bon Dieu qui a mis la mais ça signifie que, moi, gagner une connaissance de la personne de Jésus, moi, une connaissance de l'œuvre de Jésus, et m'accepter et la personne de Jésus et l'œuvre de Jésus dans ma vie et m'a cherché connaître personnage là davantage m'a cherché connaître tout ça lui fait pour moi et moi manifester toute reconnaissance moi envers lui-même. Donc ça veut dire son diligence liée, son bagage qui est très important pour nous développer dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ça t'a doué un élément prioritaire dans la vie du chrétien. Développer, croître, grandir dans la connaissance de son Seigneur et son Sauveur. Et pas oublier, chaque coup la parler de Seigneur, de l'autre côté, nous est le serviteur. Ça veut dire, moi reconnaître que Jésus est mon Seigneur et moi, je suis son serviteur. Et si tu as parlé dans ton longtemps, et pas serviteur, non, tu as dit, moi c'est esclave. Et esclave là, doit obéissance à 100% à maître là. Et deuxièmement, dit, croître dans la connaissance de notre Sauveur.
sou est sauveur d'un côté, de l'autre côté yon rescapé, ça veut dire son monde qui sauvé et personnage qui sauvé là, c'est le sauveur et lui-même, il existait encore par le sauveur. Donc nous dépendons totalement de Jésus-Christ qui est notre sauveur. Donc croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ signifie moi comprendre la valeur de la personne de Jésus et moi comprendre la valeur de l'œuvre de Jésus en tant que mon sauveur et mon Seigneur. Avertissement, ça, c'est important. Pourquoi ça, c'est important? Parce que nous devons grandir et développer notre qualité relation, nous, conception, nous, et obéissance, nous, à Seigneur Jésus. Dans un premier temps, nous devons que le chrétien, il doit grandir dans la grâce. Deuxièmement, grandir dans la connaissance de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Troisième domaine que chrétien besoin grandir, c'est grandir dans l'amour. Les croyants doivent grandir dans l'amour. Et ça, c'est une des principales préoccupations de Paul. Dans Philippiens 1, verset 9, il dit comme ça, « Prions pour nous-mêmes, c'est pour nous augmenter de plus en plus, non seulement dans l'amour, nous, mais dans l'intelligence et connaissance que nous gagnons. » C'est que votre amour augmente de plus en plus. Et ça, c'est très important. Chrétien qui a grandi, il a besoin de grandir également dans l'amour. Grandir dans l'amour, ça veut dire qui ça? Grandir dans l'amour pour Dieu. Jean-Matthieu 22, verset 37, verset 38 dit là. Mais également, c'est grandir dans l'amour pour les frères et sœurs en Christ. Jean, chapitre 13, verset 34, verset 35. C'est également grandir dans l'amour pour les perdus. Moun ki poko accepter Jésus. Donc, l'amour, ça, nous capables de comprendre, c'est à la fois un amour divin, sacrificiel, volontaire, désintéressé, dynamique, intelligent et pur. Donc, les serviteurs Paul a parlé de grandir dans l'amour pour le chrétien, il a parlé certainement d'une croissance spirituelle, et croissance spirituelle, ça, il a parlé directement de notre amour pour Dieu, l'amour pour les frères, qui c'est la communion fraternelle, l'amour pour les perdus également. Et cet amour-là, c'est l'amour qui prête pour le sacrifier, son amour volontaire, pas de force, son amour qui parle propre intérêt, son amour qui est dynamique, intelligent et pur. L'apôtre Paul, il dit comme ça, moi, rendre grâce pour nous, les chrétiens de Thessalonique, parce que nous avons grandi dans l'amour mutuel, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 3. D'où la croissance de notre amour pour les autres sont éléments essentiels dans la croissance spirituelle du chrétien. Quand les chrétiens, malheureusement, n'ont pas gagné maturité dans les relations fraternelles, et ça, ils viennent tourner un pied d'achoppement dans la vie, ils n'ont presque pas grandi dans les autres domaines parce qu'ils ont paralysé la qualité, la dimension. Pas oublier la communion fraternelle est une dimension essentielle de la vie chrétienne que ne pas doit négliger la relation avec les autres. Parce que Jésus de même dit, dans Jean, chapitre 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, nous devons grandir dans l'amour. C'est vrai, l'autre est dans le monde, c'est égoïste, c'est raïssable. L'autre est converti, ou pour qu'on comprenne le monde chrétien, ou pour qu'on comprenne les commandements de Dieu qui m'en doit pour aimer l'autre monde, qui m'en doit pour soutenir, accompagner, supporter, prier pour l'autre monde, mais ou pas qu'à gagner des années dans l'évangile, ou pas du tout développer positivement dans la relation avec les frères, dans la communion fraternelle. Et par contre, si c'est remarque ça que Paul t'a fait pour demander les chrétiens de Philippe pour grandir dans l'amour. Ça t'est arrivé même mon côté, m'kwè, dans Philippiens chapitre 4, verset 2, verset 3, t'es gen deux mesdames dans l'église là, m'kwè, c'est Évodie avec Saint-Tiche. Et mais apôtre Paul t'a exhorté, t'a dit, moi exhorté Évodie, moi exhorté Saint-Tiche, puis gagner yon même sentiment dans le Seigneur. M'exhorter pour combattre dans même l'évangile là. Yo même qui c'est compagnon d'œuvre moi. Non, yo déjà écrit dans le livre de vie, mais seul bagaille, yo besoin grandir dans l'amour fraternel.
éternel, ou bien simplement grandir dans l'amour qui égale l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères, l'amour pour les autres. Troisièmement, le chrétien doit grandir dans la connaissance ou bien la compréhension des saintes écritures. Le chrétien doit grandir dans la connaissance et la connaissance, ça en a parlé là, c'est ça, la connaissance de la Bible, la connaissance des saintes écritures. Ou bien si vle pote, on ti bémol n'a dit grandir dans la bonne doctrine. Donc, quatrième domaine que croyant a de grandir là dans lui, c'est dans la bonne doctrine, dans la connaissance des saintes écritures. Et ça, c'est une exhortation qui est très importante. Moun qui écrit l'épître aux Hébreux, dans chapitre 5, là, verset 11, 12, 13, 14, il dit, gen moun, malheureusement, c'est il l'être tout petit au capable prendre, tandis que expérience yo ta dwe fè qu'on y a yo joine la nourriture solide les saintes écritures pour capable grandir et développer et dit comme ça moi comprendre malheureusement qu'on y a nous pas une véritable expérience de la parole de Dieu nous en dehors de la vraie doctrine et ça fait malheureusement nous emporter par tout vent de doctrine nous pas comprendre les saintes écritures nous pas expérimenter les saintes écritures dans la vie nous-mêmes incapables pour nous défendre la foi chrétienne avec les saintes écritures. C'est grave, oui. L'on chrétien, après des années de conversion, n'est pas capable de défendre la foi chrétienne. N'est pas capable de dire, selon la Bible, mais qui ça me croit. Malheureusement, l'équité n'est pas de vent de doctrine pour t'il aller. Ou pas qu'à pas comprendre la doctrine du salut, la doctrine de la Bible, la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine du baptême, la doctrine de la vie chrétienne. Bakay sa ou besoin de développer, grandir là-dedans. Yo, c'est très important. Et son façon pour capable jouer pleinement toute qualité, bénédiction, le Seigneur li pote pour même. C'est vrai. Yon ti jan triste. Lorsque nous gen des croyants qui malheureusement yo l'on situation, yo pa grandi dans la connaissance de la Bible. Peut-être si apôtre Paul tap souke la dit, réveillez-nous, réveillez-nous, réveillez-nous. Parce que sans une bonne connaissance de la vérité, eh bien, il y a facilement victime et victime des faux docteurs. Il y a facilement victime de toute qualité fausse doctrine. Donc, nous besoin certainement disposer nous pour nous grandir dans la vérité, grandir dans la vérité, grandir dans la sainte doctrine, grandir dans les saintes écritures. Ça veut dire, mettez-nous à l'écoute de Dieu. Disposer nous pour nous joindre l'enseignement de la vérité. Nous besoin également pour nous capables remplis de la connaissance de la volonté de Dieu avec toute qualité et intelligence. Ça a accompagné Jean-Apôtre Paul Dilly dans Colossiens, chapitre 1er, le verset 9. Le chrétien doit grandir dans la grâce. Le chrétien doit grandir dans la connaissance de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le chrétien, troisièmement, doit grandir dans l'amour. Et quatrièmement, le chrétien doit grandir dans la bonne doctrine ou bien dans la connaissance des saintes écritures. Cinquièmement, n'a pas ajouté, le chrétien doit grandir dans la sainteté. Si nous avons dit sainteté, on a dit le chrétien doit grandir dans l'obéissance à son Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons que la sainteté, selon la Bible, c'est un fruit de notre attachement à Christ. C'est-à-dire, dès qu'on est attaché à Christ, eh bien, automatiquement, on devenu saint et qu'on y a vive la sanctification. Parce que la Bible dit comme ça, lorsque nous étions des esclaves du péché, ça c'est pas qu'à autrefois. Il dit, maintenant nous sommes libres à l'égard de la justice. Et il continue de poser question dans Romains chapitre 6, verset 20 à 22. Quel fruit portiez-vous alors, c'est-à-dire lorsque vous étiez esclaves du péché, c'est comme ça, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Parce qu'elle nous regrette, nous pas de là-dedans. Mais elle dit comme ça, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais elle dit, maintenant, étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fui la sainteté. Bon travail, Christ fait dans vous-même, les transformer, ou bien devenir un saint pour le ciel, ou bien gagner une nouvelle nature. Nouvelle nature, li automatiquement mandé pour gagner une nouvelle récolte, ou pas doit produire même fruit encore. Et texte là, Romains 6, verset 22, dit comme ça, maintenant, ou c'est moun par bon Dieu, vous avez pour fuir
la sainteté. Ou gen pou bay bon jan don. Et don sa, se li menm tek sa rele la sainteté. Donc, les chrétiens, malheureusement, yo manke de maturité dans ce qui a rapport à la sainteté. Ça veut dire, yo pas sanctifié la vie assez. Ou abjoun yo produit, malheureusement, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, yo, c'est division, jalousie, envie, compétition. On pa ket apôtre Paul li cité dans Galates chapitre 5, verset 19. Tandis que le chrétien, il est appelé à grandir et développer dans la sainteté. Et sainteté a, pour faire un mot long d'une coute, il égale simplement l'obéissance à Christ. Et Paul, nous croyons dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 10, dit comme ça, « Je vous exhorte donc, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous. » Pourquoi ça? Parce que la division est une œuvre charnel. Mais elle dit comme ça, c'est pour nous complètement unis dans un même amour, dans un même sentiment. Et ce sentiment-là, c'est qualité fruit que nous produit, qui c'est la sanctification. Donc, un chrétien est appelé à grandir dans la sainteté. Qu'on niveau pour chrétien dépasser dans les choses mondaines, dans les pratiques mondaines, bagaille qui pas du tout correspondre avec milieu l'église l'évangile que la vive là il doit dépasser niveau ça et pour grandir j'en dis dans la sainteté et ça fait l'apôtre Paul dans Colossiens 1er verset 10 là il renforce l'idée pour dire comme ça marcher d'une manière digne du Seigneur pour qui ça pour être capable entièrement agréable à lui-même et qu'il est entièrement agréable à elle c'est la produit le fruit de la sainteté. Donc, le chrétien doit nécessairement grandir dans la sainteté. Sixièmement, le chrétien doit grandir dans les qualités spirituelles ou bien les vertus spirituelles. Le chrétien doit grandir dans les vertus spirituelles. La prière, parce que la prière est une vertu spirituelle. Et pas oublier des pour dans la prière ou tout également dans la soumission. La soumission à qui? La soumission à Dieu, la soumission au Saint-Esprit également. Parce que la prière est pour premier rôle, pour mettre en contact avec Dieu. Et dès pour en contact avec Dieu, ça veut dire ou décider qu'on est et obéir à la volonté de Dieu. Et si quelqu'un bagaille qui a fait rébellion dans la vie, le Saint-Esprit l'a aidé. Le Saint-Esprit est là pour capable montrer qui façon pour prier et de vivre dans la soumission dans la prière. Et là, ça certainement, parce qu'on soumet tout, ou était dans la prière, pour manifester les fruits de l'Esprit. J'en dédou là, puis c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc c'est très important, parce que où c'est un chrétien, ou était attaché à vrai pied bois, à vrai pied raisin, à cette là, eh bien, on produit les qualités ou bien les vertus chrétiennes. Et l'apôtre Jacques, nous, quelques caractéristiques de la sagesse d'en haut. Il dit comme ça, la sagesse d'en haut est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Ça veut dire chrétien, il vient dans l'autre dimension maintenant qu'on y a. Parce que ces chrétiens, ils viennent dans l'autre niveau, l'a grandi, l'a développé normalement. Rapidement, on prend septième domaine que chrétien a de développer là-dedans. C'est ça, c'est la foi. Oui, le croyant doit grandir dans la foi en Christ ou bien dans sa foi en Christ. Il y a plusieurs occasions, Jésus t'a exhorté disciples. Pour le dire, monsieur, bah, mais niveau de foi que n'y a rien là, non? Ou songez, le Jésus était sous la mer, il t'a dormi, et la mer t'a agité. Disciple, yo, il a frappé Jésus, il dit, maître, n'a pas mouru, bah, il a coulé. Et Jésus levé, il menaçait vent, et il posait question, l'elfine fait la mer, a fait silence, il posait question à disciple, il dit, pourquoi avez-vous si peur? Et il posait une deuxième question, comment n'avez-vous point de foi? Non, Marc, chapitre 4, verset 40. Ah, pour mettre ta pose aux questions, pour qui ça nous peur comme ça? Pour qui ça nous pas la foi? Après des années ensemble avec moi-même, c'est niveau ça, la foi nous y est, il n'est pas bon du tout. Nous pas arrêter dans niveau ça. Ou songez, les pierres, t'as
enfoncé dans de l'eau, les Jésus te relé li pour descendre vinn joindre li. Et les Pierre a enfoncé. Jésus te dit: Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Matthieu 14 verset 31. Le problème ça, malheureusement, son problème qui existait de nos jours, la qu'en pile chrétien, yo manqué foi. Yo manqué assurance la caille bon Dieu. Yo manqué faire bon Dieu confiance. Et même sur les disciples te prend conscience yon bonjour dans Luc 17 verset 5 et verset 6, yo dit: Seigneur, augmente-nous la foi. Et Seigneur a te répondu: yo, si nous gen la foi tant qu'on ti graine woroli, nous va dire à monter la déplacer, la déplacer. Donc ça veut dire Seigneur a pas dit m'a ba nous la foi, non. Seigneur t'a dit nous doit grandir dans la foi. Parce que pour qui ça? Parce que exemple il prend là graine woroli, c'est parmi semences qui plus petit qui gagne. Mais l'homme met semence ça en terre, il vient grandir, il ba un gros pied bois. Donc la foi des disciples de Jésus, c'est un petit grain de woroli, ça relé un grain de sénévé, yo appelé à grandir pour capable former un gros pied bois. Seigneur a dit: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, et me vous direz à ce sycomore: déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéira. D'où n'a pas capable de remporter la victoire sur le doute, sur le manque de foi, si nous d'accord pour foi nous grandit, pour nous mettre en terre dans la confiance en Dieu, et finir pour devenir un gros pied bois. Donc, chrétien qui a une maturité, ça veut dire qu'il a développé dans la foi, c'est vrai qu'il a des problèmes. Mais à travers les problèmes, il a joui de la paix que Dieu donne. C'est vrai qu'il a gagné une persécution à faire face ensemble avec elle. Il a fait face à des tribulations. Mais les gros bagailles, l'autre mounio pas gagné. Il a gagné la confiance en Dieu. Li rete soudé avec Seigneur. C'est vrai, moment difficile a venu, mais si tellement soudé, et même pas inquiété li, li pas peur, anxiété, angoisse pas poté li aller, menace yo pas poté l'aller parce que li connaît nan ki l'esprit quoi. Donc catégorie chrétien ça yo, l'apôtre Jean relé yo les pères. Dans sens que l'est écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 13, là, je vous ai écrit père. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et le fini texte dans verset 14, là, vous le dites comme ça: je vous ai écrit père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc, cette connaissance de la personne de Dieu permet que nous fassions totalement confiance. Donc, chrétiens, les gars, pour le développer dans sept domaines, nous sommes cités là. Le chrétien doit grandir dans la grâce, dans la connaissance de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans l'amour, dans la compréhension ou bien la connaissance des saintes écritures, dans l'obéissance ou bien dans la sainteté, dans les qualités spirituelles ou bien les vertus spirituelles. Le chrétien, il doit développer dans la foi. La foi, c'est ça, l'intimité avec Dieu. Et depuis chrétien arrivé là niveau ça, ou quand ça qui passé, li vin gon maturité extraordinaire la kali. Et c'est maturité ça qui permettre que li expérimenter la joie, le contentement même dans les moments de disette et de pauvreté. C'est maturité ça qui permettre que li gon comportement spécial, un comportement d'homme que bon Dieu gagne plein pour la vie dans mitan moment difficile yo. Et apôtre Paul fait expérience là, l'elle développer dans niveau maturité ça. Dit comme ça: j'ai appris à être content à l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et il continue pour dire comme ça: en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie, selon Philippiens chapitre 4 verset 11 à 13. Donc, grandir dans ces domaines est très important. Et c'est une façon pour joindre assez de force pour capable résister dans les moments difficiles, moments maladie, moments épreuve. Et apôtre Paul témoigne également dans 2 Corinthiens 12 verset 10, si on ça, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que mon niveau m'arrive,
au niveau de maturité. Donc, nous rappelons pour capable expérimenter ces niveaux de développement et de croissance spirituelle pour capable expérimenter la paix, bon Dieu, et toute qualité, bagaille, bon Dieu. Bye. Nous songeons, disciples, de là-dedans, l'apôtre Pierre avec Silas, non, Paul avec Silas. Même là, ils étaient en prison. Ils étaient en prison. Bon, si monsieur n'a pas gagné assez de maturité, si n'a pas grandi et développé, c'est cri, ils ont crié en prison. Si monsieur n'a pas grandi dans la sainteté, dans l'amour de Dieu, dans la connaissance de leur Seigneur Jésus-Christ, si n'a pas grandi dans la grâce, si n'a pas grandi dans la sanctification, si n'a pas grandi dans l'amour, c'est crié, on a prié. Mais on dit comme ça, au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur. À tel point, les prisonniers les entendaient. Et c'est ça qu'on peut faire, on peut bénéficier, expérimenter une intervention spéciale de la part de Dieu. Pas de prison, pas de craser. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 24 et verset 25. Donc, nous espérons que vous t'entendez, vous prenez un bon genre d'engagement pour capable de grandir dans les domaines qu'on s'est cité pour vous-même là, dans la grâce, la connaissance de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour, la compréhension des Saintes Écritures, l'obéissance ou bien la sainteté, dans les vertus chrétiennes et surtout dans la foi ou bien l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, bon Dieu bénis-nous. Maintenant, on fait place à question, en sagesse que bon Dieu va nous va tenter répondre. À question. Yo.